eu, c'est déjà. C'est parti. Je t'envoie son bisou pour Jungle. Bien joué, ah, voilà tu. Salut à tous, c'est Jam, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc aujourd'hui est sorti le nouveau champion Kled et je vais vous apprendre comment l'avoir bien moins cher que ce qu'il coûte réellement. Donc il coûte 7800 pays le jour au moment de sa sortie. Mais en fait, si vous voulez économiser des pays, vous avez juste en fait à avoir des champions. Si vous avez des champions, donc on va aller acheter 3. C'est pas là. On va aller acheter 3 fragments de champions. C'est pas là. Si c'est là. On va acheter 3 fragments de champions, donc ça fait qu'il vous coûtera donc 3 fois 1700, donc 4100, 3400, 5100, 2 et 3, donc 5100 pays. Ensuite, on va dans l'atelier de craft. Avec vos jetons, vous allez déverrouiller donc vos 3 skins. Donc j'ai eu Cassiopeia en fragment de champion. Bon, les essences bleues, c'est pas gênant, on s'en fiche. Enfin, c'est important les essences bleues quand vous voulez upgrade évidemment vos points de masterise. Donc Nunu, 110 des chances. Et enfin, on récupère Renekton en fragment de champion. Et ensuite, on va aller reroll tout ça. On va reroll en champion permanent. Voilà, en champion permanent aléatoire. Tac tac. On va reroll les 3 et on va obtenir donc Kled pour 5100 pays au lieu de 7800. Donc c'est même moins cher que quand il sera à 6300. La seule condition évidemment que ça nécessite, il faut le savoir, eh bien c'est le fait d'avoir tous les champions. Il faut juste avoir tous les champions. C'est la seule condition qui fait que vous allez le payer au final moins cher. Et je vois que j'ai des caisses à ouvrir. Je vais les ouvrir du coup en même temps, hein, on va en profiter. Je sais pas à quoi correspondent ces caisses, mais du coup j'ai peut-être acheté les champions pour rien. Et on va en même temps voir ce que ça donne. Ok, donc on a eu des caches d'amélioration, tout ça. Ok, j'en avais qu'une en fait. Ok, j'avais une boîte. Et donc ça, comment ça fonctionne? Il en faut 3. Ok. J'en ai avec 7 machins. On va la débloquer, voilà, on aura l'icône de hache et c'est cool, voilà je la voulais. Très bien, donc du coup je vous laisse, donc si vous avez tous les champions, n'hésitez pas à ne pas l'acheter dans la boutique tout de suite. Essayez d'économiser des pays si vous n'avez pas toutes les runes, ça vous permet d'économiser un petit peu de pays. Donc là j'ai eu 5100 au lieu de 7000, donc j'ai économisé 2700 pays et donc 1200 par rapport au prix quand il sera passé à 6003. J'espère que cette petite vidéo vous sera un petit peu utile si jamais vous avez... Attendez, j'aurais pu avoir ça avec 11 cœur projet. Je suis peut-être débile. Sur ce, je vous fais des gros bisous. À très vite pour une prochaine vidéo.